C'est Roger du Gène. Voilà. Voilà. Il faut rappeler un truc. C'est que le camarade de Barberou, le camarade de Barberou qui est convoqué, ça fait des années qu'il travaille, bah il a travaillé pendant des années avec les CMR. Les CMR, c'est un produit chimique qu'on mettait dans les pneus pour une meilleure émulsion du caoutchouc. C'est un produit aussi dangereux que l'amiante. Ça crée des cancers. Aujourd'hui, la direction savait très bien que depuis des années que ces produits nocifs étaient très dangereux. Elle n'a rien fait. Aujourd'hui, nous convoquons des salariés parce qu'on a bloqué une usine qui fait des cancers. Il y a quand même un paradoxe autour de ça. Donc, à un moment, on va se pencher sur la question. On va interpeller les médecins du travail spécialistes qui sont du côté de notre côté à nous pour voir comment on peut justement contrer la direction. Parce qu'il y en a marre, quoi. Ils nous empoisonnent, ils nous exploitent, ils nous payent mal, ils nous ont contrôlé la vie. Ils sont en train de tout foutre en l'air. Donc, que ce soit Libus, Pierre Kowalski ou la TRS, qui comprennent qu'aujourd'hui, on a marqué, on l'a vu, que une sanction contre un médecin camarade, tant pis pour eux, hein. Nous en subirons des conséquences. Parce que c'est complètement anormal aujourd'hui de convoquer des salariés tout simplement parce qu'ils ont bloqué leur usine, simplement parce qu'ils veulent savoir comment ils vont être mangés. Et quand Kowalski dit au comité d'entreprise, je fais tout pour que Arnaud Montebourg ne vous reçoive pas, on voit le côté démocrate, quoi. Il n'en a rien à secouer. Ici, il faut qu'il apprenne qu'il y a un code du travail, qu'il y a des conventions collectives, qu'il y a aussi une constitution. Le droit de grève, c'est la loi constitutionnelle. C'est un préambule. Donc, ils nous écoutent, ils sont juste derrière, hein, derrière les vitres, ils sont en train de nous filmer, ils sont en train de nous magnétophoner. Mais qu'ils le savent bien, c'est qu'on est tous unis et qu'on ne le sait pas faire. Alors attention à ce qu'ils vont faire. Parce que outre les erreurs de procédure, nous derrière, on pourrait attaquer au pénal. On a vu ça avec la Fédération de la Chimie CGT, on a vu ça avec la Fédération de la Chimie Sud, et on pourrait aller au pénal contre eux, pour entraver la liberté. Syndical. Voilà, camarades.